tous, c'est Requamaster et on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo spéciale, une vidéo annonce en fait. Ça va être une vidéo très courte, je vais simplement vous expliquer pour les matchs que j'ai prévus sur ma chaîne, je vous en avais déjà parlé à la fin de la dernière vidéo, comment ça va se dérouler. Alors déjà, on va commencer par les règles, ça va être des matchs, donc n'importe qui peut me défier, tous les abonnés, c'est un match, des matchs contre abonnés en fait. Donc c'est vraiment, il faut que vous soyez abonné à ma chaîne évidemment pour mener les matchs. Ce qui est très important déjà dans les règles, c'est qu'elles sont très simples. Alors, je vous explique. Tout d'abord, il faut savoir que les Uber sont interdits. Donc qu'est-ce qu'un Uber? Un Uber, c'est un Pokémon jugé trop puissant, en général un légendaire, qui est donc interdit en tournoi. Et ça va être le cas ici. Pour ceux qui ne connaissent pas les Uber, je ferai une liste dans la description. De tous les Pokémon interdits pour cette... c'est pas vraiment une compétition pour ces matchs amicaux en fait, hein, c'est vraiment pour vous faire plaisir parce que je sais qu'il y a beaucoup d'entre vous qui sont intéressés par les matchs, donc c'était pour vous faire plaisir. Alors comment vont se dérouler ces matchs? Donc déjà, tous les... comment je pourrais dire, tous les sets sont autorisés, c'est-à-dire l'underused, le overused, le borderline, etc. C'est-à-dire... tous les Pokémon, finalement, sont autorisés, sauf les Uber. Je vous expliquerai tout ça en détail dans la description. Je pense que les stratèges, évidemment, le connaissent. Certains en ont déjà entendu parler. Je vous expliquerai tout ça dans la description. Donc, les matchs, en fait, c'est comme vous voulez. C'est vous qui décidez. Si vous voulez faire un match 6 contre 6, on fait un match 6 contre 6. Un match 3 contre 3, c'est comme vous voulez. C'est vraiment vous qui décidez de votre match contre moi. Chaque match sera diffusé sur ma chaîne dans une vidéo où tous les matchs seront repris. Pour les horaires, alors comment on va se débrouiller au niveau des horaires, ça va se dérouler dans cette semaine. Alors, cette semaine pour vous qui regardez la vidéo. Donc en fait, ce qui va se passer, c'est qu'il va avoir 3 jours. Il va avoir mercredi, jeudi et vendredi. Alors je ne sais pas quelle date c'est. C'est dans la semaine, dans tous les cas, le mercredi, le jeudi et le vendredi. Donc ça sera 3 créneaux horaires, de 15h à 17h. Donc le mercredi de 15h à 17h, le jeudi de 15h à 17h et le vendredi de 15h à 17h. Dans les commentaires, ce que vous devez me donner, c'est premièrement votre code ami si vous participez. Deuxièmement, le créneau horaire qui vous arrange le plus, c'est-à-dire si vous préférez mercredi, vous me dites mercredi et on cale mercredi à telle heure, entre 15 et 17, et on se fait le match. Toutes les informations relatives à vous, les Pokémon, ne me dites pas les Pokémon que vous souhaitez utiliser, mais du moins, si vous voulez faire un match 3 contre 3, 6 contre 6, donc ça c'est vous qui décidez des modalités tant que ça respecte les règles. Il y a les règles habituelles évidemment, hein, la sleep close, deux Pokémon ne peuvent pas être endormis avec l'attaque sport par exemple, ou encore la OH KO close, les attaques qui mettent KO en un coup comme glaciation ou abîme sont prohibées. Je pense que j'ai fait le tour. N'hésitez pas donc à participer, c'est pas vraiment un tournoi, il n'y a pas de lot, il n'y a pas d'enjeu, c'est des matchs amicaux, je sais que ça vous fait plaisir de faire des matchs sur ma chaîne. Donc laissez-moi un commentaire avec votre code ami, soyez abonné à la chaîne évidemment. Dites-moi les modalités, quel jour vous souhaitez participer et surtout si vous souhaitez un 3 contre 3 ou un 6 contre 6, vous me dites tout ça. Je vous mets dans la description tout ce qui est relatif aux règles avec les Pokémon interdits et tout ça. Je crois que j'ai fait le tour. Je vous dis à la prochaine. Allez, merci à tous. Ciao.